Bonsoir, il y a 50 ans, le 16 juillet 1945, les Américains expérimentaient dans le désert du Nouveau-Mexique la première bombe atomique de l'histoire. Quelques jours plus tard, le 6 août, Hiroshima était rasé. 4 ans après, en août 1949, l'Union soviétique faisait exploser à son tour sa première bombe atomique. Nous allons raconter ce soir comment l'Union soviétique a eu la bombe, grâce aux recherches de ses savants ou grâce au travail de ses espions. Nous sommes à Cambridge, qui est non seulement une université prestigieuse, mais un des hauts lieux du renseignement. 5 des plus grands espions du siècle ont fait leurs études ici, à Cambridge. 2 d'entre eux, MacLean et Ken Cross, ont joué un rôle actif dans l'espionnage atomique. Nous allons raconter cette histoire en compagnie du professeur Christopher Andrew, qui est historien ici, à Cambridge, et spécialiste des questions de renseignement. Tout de suite, les débuts de la recherche sur la bombe atomique. 1933. Avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, le temps de la terreur commence en Allemagne. Le soir du 10 mai 1933, devant l'université de Berlin, des milliers de SA mettent le feu à une montagne de livres. Les nazis purifient la culture et la science germanique et prennent les premières mesures antisémites. Pour les scientifiques, souvent d'origine juive, l'heure de l'exil a sonné. À l'automne 1933, Albert Einstein, le plus grand physicien vivant, émigre pour les États-Unis. Il se rend à l'université de Princeton. D'autres savants immigrés se retrouvent en Angleterre, au Canada, en France. Cependant, c'est en Amérique que se concentre une formidable communauté d'esprits scientifiques. En mars 1939, Frédéric Joliot-Curie, Hans Alban et Lev Kovarsky, au Collège de France, suivis dans leur découverte une semaine plus tard par Enrico Fermi et Léo Szilard de l'Université de Columbia à New York, démontrent que la rupture d'un noyau d'uranium libère une énorme quantité d'énergie et permet l'émission de plusieurs neutrons qui provoquent à leur tour de nouvelles fissions. Convaincu par Szilard de la possibilité d'une réaction en chaîne, Albert Einstein rédige le 2 août 1939 une lettre au président Roosevelt. Il informe de la possibilité de construire une bombe d'un type nouveau, d'une puissance terrifiante. On peut dater de cette lettre le début du projet atomique américain. En octobre, Roosevelt décide de créer un comité consultatif de l'uranium qui réunit les scientifiques les plus renommés. À peine un mois après l'appel d'Einstein, le 1er septembre 1939, la guerre éclate en Europe. L'année suivante, à l'université de Columbia, Enrico Fermi est responsable des recherches sur la réaction en chaîne par neutrons lents. Avec Léo Szilard, il prouve que le carbone, sous forme de graphite très pur, peut servir de modérateur dans cette réaction en chaîne. À l'université de Berkeley, en Californie, Ernest Lawrence, l'inventeur du cyclotron, un accélérateur de particules, travaille en parallèle avec le chimiste Glenn Seaborg, qui parvient à isoler le plutonium, élément de base pour l'un des deux procédés de fabrication d'une bombe atomique. En Union soviétique, la création d'une commission de l'uranium est décidée en 1940. Piotr Kapitsa joue un rôle décisif dans la mise en route du programme nucléaire. Sommité scientifique, il a quitté en 1934 l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. Il est nommé directeur à l'Académie des sciences de Moscou, tandis que 2 jeunes physiciens obtiennent les premiers résultats concluants en matière d'uranium. Физико-техническом институте Академии наук СССР работают молодые ученые Флёров и Петржак. Смелые новаторы науки открыли одну из тайн строения материи. Им удалось обнаружить самопроизвольное деление урана. В уране скрыты сказочные запасы энергии.
Щепотки урана было бы достаточно, чтобы зарядить ею паровоз на 10 дней. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht envahit l'URSS. L'offensive de l'armée allemande sur Moscou suspend un temps les travaux des scientifiques soviétiques, mais pas ceux des espions. Fin 1941, Staline est informé de sources sûres que les Britanniques tentent de se doter d'une bombe à l'énergie atomique. Les services soviétiques décident alors d'intensifier la collecte de renseignements sur la bombe aux États-Unis. Grigory Effetz, résident du NKVD à San Francisco, s'intéresse en particulier aux chercheurs travaillant sur l'énergie atomique. Le 6 décembre 1941, Effetz, sous la couverture de M. Braun, vice-consul soviétique, approche l'un de ses savants, Robert Oppenheimer. Coïncidence, le même jour, Roosevelt prend la décision de doter les États-Unis de la bombe atomique. Well, I talked to the president. I told him that we're all now agreed that the job can be done. And he says the only thing to do is to go ahead full speed. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde la base américaine de Pearl Harbor. Les États-Unis entrent dans la guerre. Dans la course à la bombe, les Russes mettent les bouchées doubles. Le 10 mars 1942, à partir de rapports fournis par différents agents de renseignement en Occident, Beria informe Staline que des recherches ont été entamées sur les possibilités d'utiliser l'énergie nucléaire de l'uranium à des fins militaires. Sur un plan scientifique, en juin 1942, le jeune physicien Igor Kourtchatov est nommé à la tête du programme pour la réalisation d'une arme atomique. En ce qui concerne l'espionnage, un département spécial est créé. Pavel Soudoplatov est chargé de fédérer toute la collecte de renseignements sur la recherche du programme nucléaire américain. Dans cet entretien inédit, réalisé en avril 1992, que nous avons retrouvé à Moscou, Soudoplatov donne sa version des faits. Ce témoignage capital doit pourtant être pris avec précaution. Quand j'ai reçu l'ordre de diriger les renseignements dans le domaine atomique, Beria était l'organisateur de cette affaire. Il m'a convoqué et m'a dit de former le département S, Soudoplatov, dans lequel il y avait de grands spécialistes qui travaillaient sur les documents des services secrets concernant le problème atomique aux États-Unis et en Angleterre. Aux États-Unis, les recherches menées jusqu'alors dans quatre centres, Columbia, Princeton, Chicago, Berkeley, sont coordonnées. Within weeks, Compton's crash program to develop a plutonium-producing pile had committed over $1 million. Although no one had yet achieved a chain reaction, he laid out a timetable for completion of the project. By January 1943, to achieve the first chain reaction. By January 1944, to separate the first plutonium. By January 1945, to deliver the first bomb. À six mois près, pour la dernière étape, le programme sera scrupuleusement respecté. À la mi-septembre 1942, le général Leslie Richard Groves est désigné pour diriger l'ensemble des travaux visant à la réalisation de la bombe atomique américaine. Le projet a pour nom de code Manhattan. Here it is, General Groves, plutonium. Well, that's the first I've ever seen. But after this, if you don't mind, I wish you'd hold something under it, because after all, there's about over $50 million in that tube. Le 2 décembre 1942, date historique de l'ère atomique, c'est à Chicago qu'Enrico Fermi, constructeur de la première pile atomique, c'est-à-dire du réacteur, réussit une expérience décisive. Il déclenche une réaction en chaîne et la contrôle. L'homme sait désormais commander les atomes. La réussite de Fermi donne au projet Manhattan une impulsion décisive. Soudoplatov est informé de la nouvelle grâce à un rapport transmis par un proche collaborateur d'Enrico Fermi, le savant Bruno Pontecorvo,
dont le message codé arrivera à la Loubianka, siège du KGB. Le marin italien a atteint le Nouveau Monde. Quand était-ce? C'est en 43. Les résultats des expériences de Fermi reçus de Pontecorvo. Là, je vous le signale tout le temps. Il ne s'agit pas de dire ses camarades, camarades, je parle comme avant. Que ces savants étaient nos agents, Dieu m'en garde. Il ne s'agit pas de cela. À la conférence de Québec d'août 1943, Churchill obtient de Roosevelt un accord de collaboration atomique signé conjointement entre les Américains, les Anglais et les Canadiens. Les savants britanniques viennent travailler en Amérique. Aux États-Unis, au cours de l'été 1943, trois centres destinés à la réalisation de la bombe atomique sont créés. À Oak Ridge, première usine au monde de diffusion gazeuse, à Hanford, où se construisent les trois réacteurs nucléaires, à Los Alamos, où les scientifiques travaillent à la réalisation de la bombe elle-même, sous la direction de Robert Oppenheimer. Alors Christopher Andrew, très tôt, dès le début de la guerre, les Russes ont su que les Anglais, les Américains, avaient commencé à préparer une bombe atomique. Alors, de quelle source, dans ces années 40-41, disposaient les Russes pour être aussi bien informés? Leur source principale à cette époque-là, c'était un ancien étudiant de Trinity College à Cambridge. Qui a fait nouveau, ici. Exactement. De nom John Cairncross. C'était un étudiant brillant d'ailleurs, linguiste, quelqu'un qui a écrit deux livres dans la langue française sur Molière, qui a traduit les œuvres de Racine et Corneille. Ça, c'était plus tard. un peu plus tard. En anglais. Mais il a été recruté par le KGB pendant qu'il était étudiant à Trinity College. Dans les années 30. Dans les années 30. Le KGB lui avait demandé de pénétrer d'abord dans le ministère des Affaires étrangères britannique, c'est-à-dire le Foreign Office, en 36. Ensuite, le ministère des Finances britannique, the Treasury, en 38. Mais son premier grand succès, ça a été de devenir secrétaire particulier de Lord Hankey, ministre de Winston Churchill, en 1940. Et Lord Hankey était présidé par maintes comités. Parmi ces comités, un comité scientifique consultatif qui, dès 1940, considérait la construction d'une bombe atomique. L'un des officiers traitants du KGB de Cairncross a récemment confirmé que John Cairncross, ancien étudiant de Trinity College, Cambridge, a été le premier à avertir Moscou de la construction d'une bombe anglo-américaine. Et en tant que secrétaire, il avait accès à ces documents? C'est certain, parce que pendant un certain temps, John Cairncross était secrétaire non seulement de Lord Hankey, mais secrétaire du comité consultatif scientifique qui délibérait la construction d'une bombe atomique anglo-américaine. Mais très vite, les scientifiques américains ont commencé à travailler, à collaborer ensemble. Alors donc, comment se passait ce travail commun? Alors, les physiciens nucléaires anglo-américains ont commencé une collaboration en 1941. Mais c'est seulement à partir de 1943 que les physiciens nucléaires britanniques ont commencé une collaboration directe en se rendant à Los Alamos, laboratoire nucléaire américain. Bah justement, nous allons le voir maintenant tout ça en images. En 1944, c'est à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, à 260 km de Los Alamos, que le général Groves choisit d'expérimenter la première bombe atomique ayant pour nom de code Trinity. La phase finale de la construction de la bombe exige dans le secret absolu la création d'une base où se concentrent les plus grands savants. Pas moins de 12 prix Nobel travaillent sous une étroite surveillance. Ces scientifiques, souvent d'origine européenne, redoutent que l'Allemagne nazie possède la bombe atomique. Ils pensent que les secrets atomiques doivent être partagés avec l'URSS
qui est une alliée. Les démarches de Niels Bohr traduisent les préoccupations de ses savants. Bohr est convaincu que l'Union soviétique doit être mise au courant des travaux avant l'utilisation de la première bombe. Le 16 mai 1944, Bohr rencontre Churchill pour le persuader de partager le secret. Churchill refuse catégoriquement. Bohr se rend alors à New York pour rallier Roosevelt à ses vues. Sans succès. Churchill et Roosevelt décident à Hyde Park en septembre 1944 que toutes les recherches atomiques menées aux États-Unis doivent être gardées ultra secrètes. Près de 150 000 techniciens travaillent dans tout le pays, soumis à un contrôle accru. À Los Alamos, les services de sécurité sont particulièrement vigilants. En dépit de ce dispositif, les services soviétiques sont à pied d'œuvre. Oppenheimer est l'objet d'un travail d'approche mené par Vassili Zaroubine, résident du NKVD, en poste à Washington, et sa femme Elisabeth, très liée à Catherine Oppenheimer, l'épouse du savant. Au dire de Soudoplatov, c'est Oppenheimer qui aurait fait venir Klaus Fuchs à Los Alamos. Communiste allemand, est un physicien qui a immigré en Grande-Bretagne en 1933. Il est interné avec d'autres Allemands l'été 1940 dans un camp canadien. Puis il est rappelé en 1941 à l'université de Birmingham par le professeur Rudolf Peierls pour un travail en rapport avec la guerre. Cher Fuchs, je ne peux pas pour l'instant dévoiler le genre et le but de ce travail. Mais il s'agit d'un travail théorique qui comporte des problèmes mathématiques d'une difficulté notable. Ce travail m'a procuré beaucoup de joie, indépendamment de son extrême importance. Si vous désirez parler de cette affaire avant de vous décider, vous pouvez passer chez moi la semaine prochaine à Birmingham. En août 1942, Fuchs obtient la nationalité britannique. Il contacte alors le responsable des communistes allemands en Grande-Bretagne, Jürgen Kuczynski. Erzählte mir Klaus Fuchs, einfach mir als verantwortlichen Leiter der Kommunisten, von, dass er an einer ganz schrecklichen Waffe arbeitet und ob ich glaubte, dass das für die Sowjetunion von Interesse sei. Ich gab ihm dann die Verbindung zu der entsprechenden sowjetischen Stelle und das war eigentlich alles, was ich in dieser Sache getan habe. Son agent de liaison est Sonia, la propre sœur de Kuczynski. C'est par son canal que Fuchs informe les Russes des travaux britanniques sur la bombe A. Klaus Fuchs arrive aux États-Unis le 3 décembre 1943. Il prend l'engagement d'observer une discrétion totale sur les recherches auxquelles il sera amené à participer. En janvier 1944, dans des conditions mises au point par Moscou, il rencontre l'homme qui sera son agent de liaison aux États-Unis, Harry Gold. En août 1944, Fuchs rejoint l'équipe d'Oppenheimer à Los Alamos, où il occupe la chambre 17 dans le dortoir T-102. Hans Bethe, chef du département théorique de Los Alamos, l'a côtoyé à cette époque. War er vielleicht der größte Experte in Los Alamos auf der theoretischen Seite über Explosion. Und Implosion. À Los Alamos, Fuchs apprend que les États-Unis travaillent simultanément sur la fabrication de deux bombes, l'une à l'uranium, l'autre au plutonium.
et transmet ces informations à Harry Gold lors de rendez-vous à Santa Fe, où les services soviétiques ont acquis un drugstore qui leur sert de plaque tournante. Fuchs ignore qu'un autre homme, David Greenglass, technicien à Los Alamos, informe les Russes par le biais de Yakovlev, en poste à Washington. Dès le lendemain de la mort de Roosevelt, le 12 avril, Stimson, secrétaire à la guerre, révèle au nouveau président Harry Truman le projet Manhattan. En juillet 1945, Fuchs est présent parmi les savants qui se livrent aux derniers préparatifs de la bombe atomique. Il se rend à Alamogordo, où Robert Oppenheimer supervise les ultimes opérations. Que savez-vous des relations entre Fuchs et Oppenheimer? Je sais qu'ils coopéraient avant tout et que Oppenheimer avait une haute opinion de Fuchs en tant que spécialiste, que physicien, comme qui pouvait jouer un rôle important, un rôle positif dans la solution du problème atomique. Est-ce que Oppenheimer connaissait l'état d'esprit et la sympathie que Fuchs portait à l'URSS? Peut-être qu'il connaissait son état d'esprit, et cela les rapprochait aussi dans une certaine mesure. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il savait que l'autre était lié aux renseignements soviétiques. Les renseignements soviétiques ne le mentionnaient nulle part. C'était l'amitié avec l'URSS, l'estime envers l'URSS, une volonté sincère d'aider l'URSS à ne pas être désarmé devant un ennemi si dangereux, une arme si dangereuse comme la bombe atomique. Le 16 juillet 1945, à l'aube, les conditions météorologiques sont favorables. Peu après 5 heures du matin, la première bombe atomique de l'histoire explose dans le désert du Nouveau-Mexique. The automatic controls got it. This time, Rob, the stakes are pretty high. Oh, it's going to work all right, Robert. And I'm sure we'll never be sorry for it. Well, in 40 seconds, we'll know. Six jours auparavant, grâce aux informations transmises par Fuchs, Beria a pu fournir à Staline un rapport qui donne tous les détails sur la manière dont la bombe a été construite. Les documents, c'est Oppenheimer et Fermi qui les ont transmis à Fuchs et à notre coursier Fielding, et c'est de là-bas qu'on les a reçus. Ce n'étaient pas, je le répète, des espions et agents, mais des savants qui ont sauvé le monde de la guerre. N'oubliez pas une chose, je voulais en parler. Tous les savants qui étaient en contact avec nos employés à l'étranger n'étaient pas nos agents. On instaurait des contacts amicaux au cours desquels on obtenait des informations très intéressantes. On parlait de tous les sujets. Mais Oppenheimer et Fermi vous ont transmis des documents intéressants, bien sûr. Vous souvenez-vous des noms d'emprunts que nous avons vus dans les télégrammes hier? Charles, c'est Fuchs. Star, c'est Szilard. Mlad, encore une source, c'est Pontecorvo? Je crois que oui. Le 17 juillet 1945, lorsque Staline, Churchill et Truman se rencontrent pour la conférence de Potsdam, le président américain reçoit un message codé. Les bébés sont nés normalement, qui lui apprend que les États-Unis sont désormais en possession de l'arme atomique. «
Lorsqu'il en informe Staline, quelques jours plus tard, le dictateur n'a pas l'air surpris. Et pour cause. Le 6 août 1945, le bombardier B-29 décolle pour le Japon et largue sur la ville d'Hiroshima la première bombe atomique. On dénombre 140 000 victimes. Le 9 août, une seconde bombe est larguée sur Nagasaki, faisant 70 000 victimes. Truman annonce la capitulation du Japon. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Les États-Unis fêtent dans la liesse la fin de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1945, Fuchs, toujours par l'intermédiaire d'Harry Gold qu'il rencontre à Santa Fe, fait parvenir à Moscou un nouveau rapport détaillé avec le plan de la bombe. Le 16 octobre 1945, le général Groves, au nom du secrétaire à la guerre, remet à Robert Oppenheimer un diplôme pour ses travaux. Le savant le remercie en ces termes. C'est avec estime et gratitude que j'accepte de vos mains ce parchemin au nom du laboratoire de Los Alamos. Si les bombes atomiques ne faisaient que s'ajouter aux arsenaux du monde en guerre, alors le temps viendrait où le genre humain maudirait les noms de Los Alamos et d'Hiroshima. Christopher Andrew, on vient de voir dans le film à Los Alamos qu'il y a eu une concentration de tous ces cerveaux qui venaient souvent d'ailleurs d'Europe, qui étaient anti-nazis convaincus. Alors, quel était l'état d'esprit de ces savants? Est-ce qu'ils ne considéraient pas que la science était un domaine universel et que finalement, y compris sur ce domaine atomique, il n'y avait pas de secret puisque l'URSS était un allié et l'Allemagne était l'ennemi? Je crois qu'il y avait à ce moment-là un certain nombre de scientifiques britanniques aussi bien qu'américains qui ont cru que quand on donnait que l'Union soviétique, c'était une alliée, que cet allié avait droit à savoir les recherches qu'on effectuait en matière nucléaire à ce moment-là. Parmi eux se trouvait un ancien étudiant de Trinity Hall, tout près de Trinity College. C'est ici que Alan Nunmay a fait ses études de licence pendant les années 30. Et lui n'était pas à Los Alamos. Non. Lui, il se trouvait, il a pénétré l'équipe nucléaire dirigée par John Cockcroft, physicien britannique très renommé à Montréal. En 1940-42, mais il a joué un rôle très important, surtout en 45. Le 9 août 1945, c'est-à-dire trois jours après Hiroshima, il a livré à son officier traitant du GRU, c'est-à-dire le service de renseignement militaire soviétique, non seulement des détails de la bombe atomique larguée sur le Japon trois jours avant, mais deux échantillons de l'uranium. Son officier traitant, Pavel Angloff, lui a donné en récompense une bouteille de whisky, hélas non écossaise, mais canadienne, et 200 dollars canadiens. Et alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la personnalité de Robert Oppenheimer, puisque évidemment, il apparaît comme le père de la bombe américaine. On sait qu'il a eu des sentiments de gauche, anti-nazis, etc. Et il y a toute une controverse maintenant pour savoir quel a été son rôle exact dans la livraison ou non d'informations à l'Union soviétique. Bon, vous savez qu'il y a eu évidemment ce livre qui est paru, qui a fait beaucoup de bruit, des mémoires de Pavel Sudoplatov, qui disait que, bien sûr, Oppenheimer n'était pas un agent au sens strict, mais qu'enfin, il avait été approché à plusieurs reprises et qu'il a donné des informations, qu'il a fait passer des rapports. Alors, vous qui êtes historien, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Oppenheimer? Sudoplatov a rédigé son souvenir, a dicté plutôt son souvenir, à l'âge de 87 ans.
C'était trop tard. Il commet de nombreuses erreurs, ça c'est sûr. Et on ne peut pas être sûr sur ce qu'il dit en ce qui concerne Oppenheimer. Mais moi, je crois qu'il a commis également beaucoup d'erreurs en ce qui concerne Oppenheimer. Pour moi, Oppenheimer n'était jamais espion soviétique. Il a dirigé avec beaucoup de succès le laboratoire célèbre de Los Alamos. Après Hiroshima, il s'est interrogé très fréquemment sur les conséquences de la bombe atomique. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été jamais espion soviétique. Les services soviétiques ont réussi à infiltrer à Los Alamos, dans cet endroit très bien gardé, un scientifique qui était un agent extrêmement haut niveau, qui était Klaus Fuchs. Je crois que c'était assez extraordinaire dans les annales du renseignement. Tout à fait extraordinaire. Ce qui est maintenant certain, c'est que Klaus Fuchs était l'espion atomique de beaucoup le plus important de la Deuxième Guerre mondiale. Igor Kourchatov, qui a dirigé les recherches nucléaires en Russie. Mais c'est l'Oppenheimer soviétique, on peut dire. Oui. Effectivement, oui. Il a déclaré, après la Deuxième Guerre mondiale, que les renseignements qu'il a tirés de Fuchs étaient, et je cite textuellement, d'une importance exceptionnelle. Non, Klaus Fuchs, c'était vraiment le père, aussi bien que Kourchatov, de la bombe atomique soviétique. Et ce qu'on sait actuellement aussi, c'est que la bombe atomique soviétique, c'était une copie exacte, mais très exacte, de la bombe nucléaire, de la bombe atomique américaine. Mais pourquoi? Parce que les rapports qui étaient envoyés par Fuchs ont servi directement à la construction de cette bombe. Tout à fait. Il avait, je crois, une drôle de manière de contacter son officier traitant, Harry Gold. On lui avait dit en 1944, parce que c'est en 1944 qu'il avait commencé à travailler à Los Alamos, qu'il devait chercher à New York quelqu'un dans la rue, un homme ganté qui portait... Avec des gants? Oui, mais qui n'était pas seulement ganté, mais qui portait des gants supplémentaires à la main. Donc il a passé une journée en cherchant quelqu'un à New York. Mais c'est assez grand, New York. Qui portait 4 gants. Et il a réussi. Et à partir de ce moment-là, il a travaillé pour la KGB aux États-Unis. On lui avait demandé en même temps de s'identifier auprès de Harry Gold en tenant une balle de tennis à la main. C'est comme ça que l'espion atomique le plus important dans l'histoire du monde a commencé à travailler pour le KGB aux États-Unis. Et bien maintenant, on voit les conséquences de ce travail de Klaus Fuchs, c'est avec la construction en image de la bombe soviétique. Le 13 août 1945, sur la place Rouge, l'Union soviétique fête la victoire. Sur la tribune, la présence aux côtés de Staline du général Eisenhower consacre l'Union des Alliés. Beria, l'homme de la police politique, est là, bien sûr. La destruction d'Hiroshima a accéléré les recherches soviétiques que dirige toujours Kourchatov. Le 20 août 1945, un comité spécial sur la bombe atomique est créé. Beria en prend la direction. Il écarte de ce comité Kapitsa, qui n'apprécie guère ses méthodes autoritaires. En novembre 1945, Niels Bohr est sollicité par les savants russes qui rencontrent des difficultés pour mettre au point leur premier réacteur. Soudoplatov décide d'envoyer son adjoint Vassilevski auprès du savant danois. Et Niels Bohr nous a d'ailleurs bien aidés. Comment cela s'est-il passé? Nous avions des difficultés certaines, et les spécialistes qui travaillaient dans un domaine particulier se sont trouvés dans une impasse. Que faire?
S'adresser à Oppenheimer? Non. On a décidé de s'adresser à Bohr. C'était en 1946? À peu près. Vous savez, je ne sais plus très bien pour le temps. Alors, nous avons décidé de nous adresser à Bohr. Qu'avons-nous fait? On a pris un jeune employé de mon département S, Terlecki. Il était candidat en sciences physiques et mathématiques, théoricien, et on l'a envoyé chez Bohr. À l'époque, le Danemark était libéré des Allemands par l'armée rouge, et on accueillait les Russes, les Soviétiques, très chaleureusement. Et Bohr a accueilli chez lui ce jeune physicien qui débutait. Il a appris de Bohr tout ce que l'on voulait savoir. Bohr ignorait que c'était Soudoplatov qui l'avait envoyé. Et comme ça, nous avons pu, dans ce domaine spécial, mais très important, sortir de l'impasse. Bohr nous a soufflé la réponse. Mais déjà, la grande alliance entre alliés laisse la place à la guerre froide. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Dans le domaine atomique, les pourparlers entre les Américains et les Russes pour parvenir à une gestion pacifique et commune de l'énergie nucléaire échouent. En décembre 1946, le réacteur russe entre en fonction. Sur ces images inédites, filmées par son assistant, Kourtchatov fête l'événement. Beria porte la bonne nouvelle à Staline. Le réacteur russe est similaire à celui construit par Fermi 4 ans auparavant. Grâce à une mobilisation frénétique des ressources humaines et matérielles, les Russes parviennent en 3 années à passer du réacteur à la bombe. Les derniers préparatifs en été 49, sous l'œil de Beria. Le 25 août, la bombe russe explose. Détection d'un nuage radioactif par un avion américain prouve que l'URSS a réussi à rattraper son retard. En Amérique, c'est la stupeur. L'agence TASS confirme, tandis que Vyshinsky, ambassadeur aux Nations Unies, n'a pas de commentaire à faire. Décembre, c'est un beau cadeau d'anniversaire pour les 70 ans de Staline, entouré pour l'occasion de Khrouchtchev et Mao. L'URSS est maintenant une puissance nucléaire. De quelles sources disposaient les services soviétiques après Hiroshima ? Parmi d'autres sources, il disposait d'un espion atomique qui était un ancien étudiant de l'université de Cambridge où nous nous
trouvons en ce moment, Donald McLean, qui a été le premier... Cambridge a beaucoup donné pour l'espionnage. Malheureusement, Cambridge a fourni des espions non seulement au service britannique, mais au service soviétique en même temps. Donald McLean a été le premier grand espion soviétique à être recruté à Cambridge. Et il a pénétré sur les ordres du KGB, le Foreign Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères britannique, en 1935. En 1944, il a été nommé premier secrétaire de l'ambassade britannique à Washington, poste où il a pu suivre de près la collaboration anglo-américaine en matière nucléaire. Emploi qu'il n'appréciait pas tellement. Il a dit de l'espionnage atomique. C'est comme d'être préposé aux toilettes. Ça pue, mais il faut que quelqu'un le fasse. Bon, mais lui, il s'est dévoué quand même. Il était très dévoué, Était très dévoué. Est-ce que Fuchs aussi, après son retour à Orwell, après avoir quitté Los Alamos, a continué à envoyer des informations? Certainement, oui. Et est-ce qu'on peut apprécier combien de temps, grâce aux espions atomiques, que ce soit McLean, que ce soit Fuchs, que ce soit Alan May, combien de temps les Russes ont gagné dans leurs recherches? Une année minimum, peut-être même deux années. Mais ils ont quand même mis 4 ans entre la bombe américaine et la bombe russe. C'est ça, là. Mais sans l'espionnage, il n'y aurait pas eu de bombe soviétique avant les années 50. On va voir maintenant les arrestations aux États-Unis des espions atomiques. En mars 1946, Alan Nunmay, savant britannique qui travaillait sur le projet de recherche nucléaire au Canada, est arrêté. Il renseignait les services soviétiques. Ce sont les confidences d'Igor Gouzenko qui ont permis l'identification de May. Gouzenko était un décrypteur en poste à Ottawa. Sa défection, en septembre 1945, est un coup dur pour les Russes. Il fournit aux Américains des renseignements précieux sur le système de chiffrage soviétique. Aux États-Unis, les révélations sur l'espionnage soviétique déclenchent un vent de psychose. Les mesures de sécurité sont renforcées. Les révélations de Gouzenko permettent de casser le code utilisé par les agents soviétiques. En 1949, l'année même où explose la première bombe russe, les Américains peuvent décoder les messages de l'ambassade soviétique adressée à Moscou pendant la guerre. Dans un de ces messages, les agents du FBI trouvent des indices qui les mettent sur la piste des espions atomiques. L'un de ces agents, Robert Lamphere. Probably about September of 1949, we began to get information which indicated that the KGB had a source within the British mission to the Manhattan Project, which was engaged in research to build an atom bomb. And of course, this galvanized the attention of the FBI. Après de multiples recoupements, le FBI identifie Klaus Fuchs. Depuis 1946, Fuchs est rentré en Grande-Bretagne. Il travaille à la fabrication de la bombe atomique britannique, sous la direction de Rudolf Peierls, avec qui il poursuit ses recherches au centre d'Orwell. Le 27 janvier 1950, Fuchs avoue à l'inspecteur des services secrets britanniques, William Skerdon, que depuis 1942, il livre aux soviétiques les secrets de la bombe atomique. Klaus Fuchs est arrêté et signe ses aveux. Le 1er mars 1950 s'ouvre son procès. Fuchs plaide coupable devant le procureur Sir Hartley Shawcross. Il est condamné à la peine maximum, 14 ans de prison. En 1959, Fuchs est libéré pour bonne conduite et part s'installer en RDA.
Les motivations de Fuchs étaient idéologiques. Communiste, Fuchs ne voulait pas que les Occidentaux soient les seuls détenteurs de l'arme atomique. Plus tard, il dira « Le secret partagé en deux signifiait la fin de la guerre, ou du moins la fin de la guerre de destruction totale pour l'humanité. Le scientifique n'est pas neutre. Il doit avoir conscience de ce qu'il invente et il doit agir comme il l'entend pour ne pas être complice du mal que contient son invention. » Harry Gold is seen here in Philadelphia just after he'd been granted postponement of extradition to New York for trial. He's accused of passing atomic secrets to Russia, having, it's alleged, acted as a go-between for Dr. Fuchs, the scientist convicted as a traitor in Britain. Gold is reported as saying, "I meant no harm to America." Les aveux de Fuchs ont permis de remonter à Harry Gold. Connu par Fuchs sous le nom de Raymond, il était l'agent de liaison entre le savant espion à Los Alamos et son correspondant soviétique à New York. Harry Gold livre le nom d'un troisième homme, David Greenglass, le technicien de Los Alamos, qui est arrêté le 15 juin 1950. Greenglass est le beau-frère de Julius Rosenberg, qui dénonce à son tour. Julius, puis Ethel Rosenberg, sont arrêtés en juillet 1950. Le dernier prévenu, Morton Sobel, ami de classe de Julius Rosenberg, est également convaincu d'espionnage. Ces arrestations interviennent en plein McCarthyisme. Le sénateur Joseph McCarthy brandit des listes d'agents soviétiques qui sévissent selon lui jusqu'au département d'État. La découverte du réseau soviétique confirme les accusations spectaculaires de McCarthy. Cette atmosphère de chasse aux sorcières explique la sévérité du procureur Kaufmann qui instruit à partir de mars 1951, à New York, le procès d'Ethel et de Julius Rosenberg. Alors que les Rosenberg proclament leur innocence, David Greenglass livre les pièces à conviction. Des croquis d'abord, qui paraissent bien anodins. Et un objet de reconnaissance pour les rendez-vous, un couvercle de pot de confiture dont chaque agent possédait un morceau. Les Rosenberg sont incarcérés à la prison de Sing Sing. Le jury ne leur accorde aucune circonstance atténuante. Le procureur Kaufmann requiert la sentence de mort contre les Rosenberg. Alors que l'assassin tue une personne, vous, par contre, en donnant à l'Union soviétique les secrets de la bombe atomique, bien des années avant que les savants russes ne soient capables de la réaliser, vous avez commis un crime bien plus grave. Il est probable que des millions d'innocents finiront un jour par payer le prix de votre trahison. Harry Gold est condamné à 30 ans de prison. Greenglass à 15, en raison du concours apporté à la justice. Sobel écope aussi de 30 ans. L'annonce de la condamnation des Rosenberg suscite une immense émotion dans le monde. Les manifestations se multiplient, à Washington, en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, en faveur de la grâce des Rosenberg. Pour une grande partie de l'opinion, ils sont des martyrs, victimes du McCarthyisme. Nombreuses personnalités, le pape Pie XII lui-même, interviennent auprès du président Eisenhower. En vain.
Après le rejet de sept recours, les Rosenberg sont conduits à la chaise électrique de la prison de Sing Sing le 19 juin 1953. La dernière lettre de Julius Rosenberg, datée du 31 mai, souligne « Jamais on ne pardonnera au gouvernement américain ce scandaleux déni de justice. » Jusqu'au bout, les Rosenberg ont clamé leur innocence. Ils auraient probablement obtenu la grâce s'ils avaient reconnu être des agents soviétiques. Ils laissent deux jeunes enfants. Les journaux annoncent en première page l'exécution. En France, Jean-Paul Sartre écrit « L'Amérique à la rage ». Au cimetière, les caméras sont encore là pour surprendre la douleur de la famille. Six semaines après l'exécution des Rosenberg, le 8 août 1953, la première bombe russe à hydrogène explose. Les soviétiques viennent de prendre l'avantage dans la course aux armements nucléaires. Kourtchatov, le père de la bombe russe, est lyrique. Открытие возможности использования атомной энергии – величайшее достижение нашей эпохи. Так будем трудиться над дальнейшим развитием этого открытия только в мирных целях. Чтобы улучшить жизнь и благосостояние всех народов мира. Le 1er mars 1954, à Bikini, les États-Unis font à leur tour exploser une bombe thermonucléaire. L'équilibre entre les deux grands est à nouveau rétabli. Leur capacité de destruction est bien plus élevée que celui atteint en 1949. Edward Teller, le père de la bombe H, justifie la politique nucléaire américaine. After the war, I went back to the academic world. I tried to get back to the world of ideas. Après la guerre, je suis revenu à l'université. J'ai essayé de retourner au monde des idées et de quitter celui de l'action. Mais les Russes ont fait exploser leur bombe atomique. Alors j'ai été certain qu'il existait un moyen de fabriquer une bombe à hydrogène et que les Russes le trouveraient. J'estimais qu'on devait faire cette bombe et de plus, je pensais qu'on n'avait pas de raison de s'arrêter et de ne pas découvrir ce qui pouvait être découvert. Décider de la façon de l'utiliser, et même si elle devait l'être, est un tout autre problème. Mais on n'a pas le droit d'arrêter le progrès. Au printemps 1954, la Commission atomique américaine met en doute l'intégrité politique de Robert Oppenheimer. Reconnu non coupable, il est cependant privé de ses fonctions de conseiller du gouvernement et du droit d'accéder aux documents secrets. La morale des scientifiques engagés en faisant des armes de guerre is always going to be an unstable thing. We know that. We do the best we can. A fair, considerate administration is one indispensable thing, and it's my belief, I'd like to testify to this, that one of the real reasons for the success of the project is that the Atomic Energy Commission, the commissioners and the chairman of the commission, have understood that the program was only so good as the morale of the men that were doing it. Dépassant la course à la bombe, Oppenheimer annonce déjà la future coexistence pacifique. Fuchs donne Harry Gold, Greenglass, les Rosenberg. Et on arrive aux Rosenberg. Évidemment, c'est le nom qui est le plus célèbre aujourd'hui. Pendant 40 ans, on a présenté les Rosenberg comme des victimes du McCarthyisme aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, évidemment, on sait qu'ils étaient vraiment des agents soviétiques. À la différence des espions atomiques britanniques, Alan Nunmay et Klaus Fuchs,
les Rosenberg ont clamé leur innocence jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur leur culpabilité, parce qu'il y a des millions de gens à travers le monde qui ont cru, qui sans doute aujourd'hui encore sont persuadés que les Rosenberg étaient innocents. La culpabilité est admise maintenant, même en Russie. C'est pas douteux. Bon. Mais si on n'était pas dans ce contexte du maccartisme, de la chasse aux sorcières, est-ce qu'ils auraient été condamnés à mort? Probablement pas à mort. D'ailleurs, c'était des idéalistes qu'on peut respecter, qu'on doit respecter toujours. Mais est-ce que le climat virulent d'anticommunisme dans l'Amérique des années 50 n'a pas totalement discrédité l'idée qu'il y avait effectivement des agents soviétiques? À gauche, il y avait une tendance, n'est-ce pas, à ce moment-là, de nier la réalité de l'espionnage soviétique, de nier, par exemple, la réalité de l'espionnage qu'effectuaient les Rosenberg aux États-Unis. À droite, il y avait une tendance d'exagérer énormément la réalité de cet espionnage soviétique. Maintenant, la guerre froide est terminée. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous devons éviter ces deux exagérations. Nous devons admettre l'existence réelle d'un espionnage important soviétique. Et nous devons éviter en même temps les exagérations de la guerre froide en ce qui concerne cet espionnage. Et vous pensez qu'on apprendra encore beaucoup de choses sur la réalité de cet espionnage soviétique? Oh, sans doute, surtout en France, parce qu'on connaît l'histoire de l'espionnage soviétique en Grande-Bretagne. On en connaît la moitié en ce qui concerne les États-Unis. On n'en connaît presque rien en France, en ce qui concerne la France. Mais vous qui êtes historien ici, professeur à Cambridge, comment vous expliquez qu'on parle si facilement en Angleterre des espions et qu'en France, ce soit un sujet tabou? Pour la France, il y a trois hypothèses possibles, n'est-ce pas? On peut admettre l'hypothèse que l'Union soviétique, pendant les années 30, s'est désintéressée totalement de la France. Oui, c'est peu probable. Hypothèse absurde. Oui. Deuxième hypothèse, qu'il n'y avait pas de recours possible en France. Hypothèse est également absurde, étant donné le nombre de communistes, de compagnons de route, beaucoup plus supérieur aux communistes et aux compagnons de route en Angleterre. Troisième hypothèse, il y avait pas mal d'espions soviétiques recrutés en France au cours des années 30. La seule différence entre la France et la Grande-Bretagne, c'est qu'en ce qui concerne la France, on n'en connaît pas toujours les noms. Voilà, ça sera pour les 50 prochaines années. Je crois. Alors pour terminer, les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission, deux excellentes petites synthèses, Claude Delmas, La bombe atomique, édition complexe, et L'ère atomique, collection 20e siècle chez Casterman de Roberto Maiocchi, toutes les deux très bien documentées. Trois livres, trois pavés, Mission spéciale de Pavel Soudoplatov, Mémoire du maître espion, paru au Seuil, Soudoplatov dont il était beaucoup question dans cette émission et qui raconte naturellement ses souvenirs du département d'espionnage atomique, mais aussi bien d'autres choses de sa vie. Mes camarades de Cambridge, du Yuri Modine, chez Robert Laffont. Modine était l'agent, l'officier traitant des 5 de Cambridge et il raconte comment, pendant des années, il a travaillé avec Burgess, MacLean, Philby, Ken Cross et Blunt. Et enfin, un pavé, le KGB dans le monde, chez Fayard, de Christopher Andrew, que vous avez vu tout au long de cette émission, qu'il a fait en compagnie de Oleg Gordievsky, qui est un ancien du KGB qui est un transfuge. C'est une somme sur l'activité du KGB de 1917 à 1990. Voilà, c'est terminé. Dans un mois, ce sera à nouveau une histoire de renseignement. L'affaire du Rainbow Warrior, comment les services secrets français ont coulé le Rainbow Warrior et comment c'est devenu une affaire d'État. Bonsoir.